Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui donc pour un tag qui se nomme j'aime, j'aime pas et pourquoi pas. Voilà, donc je commence tout de suite. Première question, camping, hôtel, auberge de jeunesse. Alors, camping, on va dire j'aime pas. En fait, ça me rappelle le film Camping où tout le monde se connaît, où on peut pas faire quelque chose sans qu'il y ait quelqu'un qui sache. Enfin bref, c'est des ragots, des ragots, des ragots. Voilà. Hôtel, j'aime, tout simplement parce qu'on n'a rien à faire, on n'a qu'à se prélasser, regarder la télé, enfin tout est pris en charge, c'est magnifique. Auberge de jeunesse, pourquoi pas, j'ai déjà fait l'expérience donc en Écosse. Alors certes, on tombe sur des gens des fois pas très drôles et pas très propres, mais je veux dire, ça permet de pas payer cher, ça permet aussi de rencontrer des gens parfois super et. Et voilà quoi, on fait des économies, donc c'est pour les rencontres, c'est magnifique. Voilà. Ensuite, deuxième question, café, chocolat chaud ou thé? Alors, café, en fait, il n'y en a aucun que je n'aime pas, donc ça va être difficile. Chocolat chaud, j'aime. Thé, j'aime. Café, on va mettre pourquoi pas. C'est vrai que j'ai des périodes où j'aime pas le café. En fait... Il y a des périodes où je bois que du thé, il y a des périodes où je ne bois que du café, il y a des périodes où je ne bois que du chocolat chaud. Donc tout dépend. Maintenant, je dis café, je n'aime pas parce que en fait, j'aime bien le café fait avec une cafetière normale. Tout ce qui est café expresso, j'ai horreur de ça, je trouve ça trop fort et je ne supporte pas en fait. Voilà. Troisième question, Zara, Camailleux, H&M. Alors, Camailleux, j'aime. Parce qu'on y trouve plein de choses. H&M, pourquoi pas. Zara, je dirais pourquoi pas, mais en fait, j'y vais jamais parce que ce sont toujours des vêtements originaux et tout. Enfin, c'est pas du tout mon style. Voilà. Quatrième question, neige, pluie ou grêle? Alors, tout dépend si on conduit ou si on conduit pas. Parce que j'aurais dit j'aime la neige, mais maintenant, quand je conduis, j'aime pas trop. Pluie, j'aime pas, et grêle, pourquoi pas, à condition de ne pas être dessous. Voilà. TF1, cinquième question. TF1, France 2 ou M6? Alors, M6, j'aime, parce que je regarde beaucoup de séries sur M6. En fait, je regarde Scènes de ménage, je regarde NCIS, je regarde Déco, je regarde enfin plein de trucs. J'aime bien les émissions, en fait. TF1, pourquoi pas, parfois il y a des choses bien. France 2, on va dire je n'aime pas, même si je regarde. Attendez, qu'est-ce que je regarde? Je sais plus. Enfin bref, j'ai pas l'habitude de mettre France 2 que à part pour certains trucs, mais c'est très rare. Sixième question, maths, langue ou sport? Alors, j'aime les langues, forcément. J'adore l'anglais, l'espagnol j'aime bien, l'italien j'adore, enfin voilà. Maths, je n'aime pas, mais alors du tout, du tout, du tout, je ne suis pas faite pour les maths. J'avais une mauvaise moyenne en fait quand j'étais au lycée, au collège aussi, enfin tout le temps quoi. le sport, pourquoi pas, c'est vrai que j'aime bien faire du sport, malheureusement je prends plus le temps d'y aller et ça c'est vraiment dommage parce que j'adore me défouler, j'adore la course à pied, j'adore aller dans une salle de sport où on sue, on transpire, c'est génial quoi. À moi on remarque qu'on a fait quelque chose et que ça sert. Septième question, 7h, 13h ou 21h? Alors en ce moment ce serait plutôt 7h parce que j'ai envie de profiter de mes journées et de toute façon j'ai pris l'habitude de me lever tôt. D'ailleurs ce matin on est le week-end mais je me suis carrément levée trop tôt. Mais bon je suis un peu malade donc je me suis levée tôt parce que je m'étais couchée tôt. 13h c'est l'heure de la sieste pour moi. Donc pourquoi pas. Et 21h je n'aime pas parce que c'est le moment où. Enfin c'est la fin de la journée, je suis fatiguée et voilà. Donc en ce moment c'est pas trop mon truc. Huitième. Urgence, Grey's Anatomy ou Dr. House? Alors, j'aime Dr. House, j'adore, je suis complètement fan. Grey's Anatomy, pourquoi pas, j'ai suivi de temps en temps, enfin ça m'a l'air beaucoup des histoires d'amour. Urgence, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai jamais trop regardé en fait.
Neuvième question, montagne, campagne ou bord de mer? Alors, campagne, j'aime. Bord de mer, pourquoi pas. Montagne, pourquoi pas. Bon, en fait, bord de mer, en fait, c'est parce que je déteste le sable. Oui, vous allez me dire, c'est génial de se baigner, etc. Mais alors, les grains de sable partout, quand on rentre chez soi et tout, il y en a partout. Donc, à la rigueur, je devrais changer. Je devrais mettre campagne, j'aime. Montagne, pourquoi pas. Et bord de mer, je n'aime pas. Je suis pas très logique, en fait. Mais bon, bref. Dixième question. Décolleté plongeant, mini-jupe ou nombril à l'air? Alors, j'aime décolleté plongeant. Mini-jupe, pourquoi pas. Et nombril à l'air, hors de question. Je n'aime pas du tout. No comment. Onzième question. Collant, leggings ou chaussettes? Leggings, j'aime. Chaussettes, pourquoi pas. Ou l'inverse. Collant, pourquoi pas? En fait, il n'y a aucune. Les chaussettes l'hiver, c'est très pratique. Les collants avec une jupe ou autre, c'est très pratique aussi. Et les leggings, c'est très pratique. Donc, il n'y a pas de j'aime pas ici. Ouais, je sais, je fais pas le tag correctement, mais c'est mon choix. Douzième question. GPS, Google Maps ou carte routière? GPS, j'aime. C'est trop pratique, à part quand ils t'emmènent dans les lacs d'Écosse. Ouais, alors je vous raconte, en fait, on était en Écosse, on avait pris donc le GPS donc, qui allait aussi pour l'Europe. Et nous sommes allés donc dans les Trossachs en Écosse. Et en fait, on s'est retrouvés paumés au plein milieu de la Cambrousse avec des lacs partout. Et là, le GPS nous dit, tournez à droite. Ouais, si tu tournes à droite, mon coco, tu te retrouves dans le lac. C'est pas grave, hein. Ça nous dérange pas, on veut bien y aller. Non, mais oh. Enfin bref, donc GPS quand il fonctionne, Google Maps, pourquoi pas, carte routière, c'est trop embêtant pour être poli. Franchement, le temps que tu déroules ta carte, etc., tu te retrouves avec un truc géant comme dit Madison Pro, enfin c'est pas possible quoi. À moins que tu aies un chauffeur à côté, et encore que quand moi je suis à côté du chauffeur et que je dois lire sur la carte, c'est trop compliqué parce que je suis malade et tout, donc autant avoir un GPS ou alors lire un itinéraire. Que lire la carte quoi. Enfin, je sais lire une carte, oui, mais non quoi, c'est pas mon truc. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à bientôt. Je vais peut-être faire un autre tag tout à l'heure, enfin on verra. Voilà, donc bisous bisous, ciao.